uptight hips keep coming on. À lundi, Madame Pinchot. Oui, à lundi. Marie-Thérèse qui ne répond pas. Oui, à lundi. Ah oui, très bien. Marie-Thérèse. Monique. Marie-Thérèse. Au secours. Mais qu'est-ce qui vous arrive? Vous l'avez attrapé? Non, Marie-Thérèse, j'ai besoin de votre aide. Vous n'êtes pas encore réveillée? Bah, il a fait 11 heures. Je viens de me lever. Marie-Thérèse, il faut le reprendre le rythme. Hein. Qu'est-ce que je peux faire pour vous aider? Il faut absolument préparer les clients. Ce déconfinement, c'est du n'importe quoi. Hein? Marie-Thérèse, je suis à vous tout de suite. Monique, coupe tout, j'écoute. Madame Grassin, oui, je vous ai laissé un petit message. Oui, c'est pour prendre rendez-vous, bien sûr. Ah non, lundi, c'est complet. Mardi aussi, mercredi aussi. Ah ben, c'est-à-dire que vous êtes important, Madame Grassin. Ça fait longtemps que je prends les rendez-vous. Je ne suis pas en vacances. Le téléphone du salon est relié au téléphone de chez moi. Oui, 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 j'ai même trois lignes. Alors, on se dit, samedi? Samedi, on va le réserver pour les actifs, Madame Grassin. Oui, tout à fait. Oui, je sais que vous êtes très active, mais vous avez toute la semaine pour venir, vous êtes retraitée. Ah, attendez, j'ai un autre appel. Monique Coupe-tout, bonjour. Madame Pinchot? Oh, Madame Pinchot, on se voit lundi, on n'aura plus rien à se dire si vous m'appelez trois fois par jour. Quoi? Mais non, je ne peux pas vous coiffer avec le casque de votre petit-fils. Non, pas les casques de moto. Attendez, Madame Pinchot, j'ai un appel sur le portable. Oui? Oui, allô? Marie-Thérèse, vous êtes toujours là? Oui, allô? Oui, madame. Attendez. Madame Grassin, oui, oui. Alors, on se dit vendredi, 14h? Très bien, Madame Grassin. Vendredi, d'accord? Ah, attendez, je suis. Oui, oui, pardon. Une coupe longue. Je suis à vous tout de suite. Oui, allô? Madame Pinchot? Allô? Allô? Allô, Madame Pinchot? Ça ne va pas, ça ne va pas, ça ne va pas du tout, du tout, du tout, du tout. Allô, Madame Grassin, oui, vendredi, 14h, d'accord? Très bien. Madame Tourtevoix, oui, matin ou après-midi? Quand il y aura moins de monde? Écoutez, Madame Tourtevoix, je ne vais pas privatiser le salon pour vous. Bon, Madame Tourtevoix, oui, je sais, vous êtes à risque. Mais alors ne venez pas, voilà, hein, restez chez vous. Si vous restez chez vous, personne ne vous voit, hein. Ou alors, pour sortir, mettez une cagoule, puis vous me rappelez plus tard. Monique, vous avez eu beaucoup d'appels? Ah, ne m'en parlez pas. J'en suis à mon 60e appel depuis ce matin. 60? Faut m'aider, Marie-Thérèse. Je n'y arrive pas, j'ai trois lignes, je ne m'en sors pas. Vous voulez que je prenne des appels? Vous voulez bien? Je vous transfère. Oui, oui, je peux le faire, oui. Je peux vous aider. Marie-Thérèse, il faut absolument préparer les clients. Hein? J'ai l'idée d'une réclame. Une réclame? Mais oui, une réclame pour préparer les clients déconfinés. Je l'ai appelé le manuel du parfait client déconfiné. Vous êtes prête, Marie-Thérèse? On commence tout de suite. Oui. Jingle. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour. Bienvenue, chers clients déconfinés. Vous vous demandez comment réussir votre premier rendez-vous coiffeur déconfiné? Monique et Marie-Thérèse sont là pour vous aider, n'est-ce pas, Marie-Thérèse? Marie-Thérèse? Bien. Règle numéro 1. Comment prendre rendez-vous? Vous croyez qu'ils ont vraiment besoin d'un conseil pour ça? Mais oui, Marie-Thérèse, c'est du n'importe quoi en ce moment. Chers clients, chères clientes, appelez dès maintenant votre coiffeuse. Elle est à votre écoute. Mais réfléchissez avant à vos créneaux disponibles. Ne soyez pas trop long, ne demandez pas l'impossible. Et surtout, ne profitez pas de cet appel pour faire une séance de psychothérapie. Premier appel, Marie-Thérèse va mettre en pratique ses petits conseils. Marie-Thérèse, je vous transfère. Oui.
efficacité, Marie-Thérèse, efficacité. Ah oui, Bernard, le salon, il est ouvert, oui. Oui, dites-lui surtout que cela dépend d'Edouard. Oui, Bernard, oui. Marie-Thérèse, mais... Oui. Oh. Monique Coupe-tout, bonjour. Madame Pinchot, encore. Votre chat est malade. Très bien, alors à lundi, Madame Pinchot. Allez, au revoir, Bernard, hein. Et merci. Oui. Oh, arrêtez, Bernard, vous allez me faire rougir. Oui. Oh, je suis toute rouge. Au revoir. Au revoir, Bernard. Vous étiez encore avec Bernard? Ah oui, il avait besoin de parler. On avait dit pas trop long, Marie-Thérèse. Mmh. Marie-Thérèse, il ne faut pas se laisser déborder. Mmh. Alors, c'est pour quand? Quoi? Bah, le rendez-vous. Keep going.